Les gens, c'est Tonio! Comment allez-vous? Moi, ça va super, les gars. Donc, on se retrouve pour un gameplay qu'envoie de la patate. Un gameplay, les gars, qu'envoie du lourd, tout simplement, les gars. Une tentative triple KVM en MME, les gars, oui, en match à mort par équipe. Donc, dans ce gameplay-là, j'étais pas tout seul, j'étais accompagné de Dylan FB, les gars. Donc, en plus, je ne suis pas non plus tout seul dans le commentary. Je me suis dit, voilà, les gars, si j'étais dans le gameplay, j'étais avec Dylan FB. Obligatoirement dans le commentary, fallait que je sois avec cette chamelle des bois, les gars. Et donc voilà, mon petit Dylan, présente-toi un petit peu rapidement. Yo tout le monde, c'est Dylan FB. Donc, Enfin voilà, présente un peu. Ouais, vas-y. Ma chaîne. Ouais, vas-y, bah d'abord, on va présenter le gameplay, après tu parleras un peu de ta chaîne rapidement. Donc voilà, les gars, donc ça va être une tentative, donc comme je l'ai dit, triple KM en MME. Donc la particularité, c'est qu'on était donc deux. C'est-à-dire que moi, je vais faire une KM et Dylan va tenter une double, étant donné qu'à la base, c'était son défi. Explique un petit peu bah, comment ce défi t'est venu et donc. Voilà ce que tu m'as proposé et tout, et puis un petit peu comment ça s'est passé. Ben en fait, sur Black Ops 2, ben, j'avais réalisé, peut-être que la double, vous l'avez vu. La double nucléaire, ouais, en MME. Ouais, la double nucléaire en MME, en solo. Oui. Et j'ai dit, je vais retenter ça sur Ghost, mais on pouvait en faire en trip, donc j'ai dit, je vais inviter Tonio pour que voilà, il vienne avec moi. Ça pourrait faire un petit truc sympathique. Voilà, et donc, étant donné que c'était son défi, bien entendu, on pouvait pas tenter deux doubles, enfin, nous deux, on pouvait pas faire la quad en équipe. Et donc, bah, moi, j'ai décidé, écoute, bah, on fait une KVM chacun. Donc là, vous allez pouvoir voir, là, j'étais vraiment en galère avec le petit pistolet. Donc, forcément, moi, je tentais une KVM et lui en tentait deux, étant donné que c'était son défi. C'était à lui, entre guillemets, de réussir la double. Donc, vous allez voir, donc, il y aura un petit montage sympathique. C'est-à-dire que moi, j'ai réalisé la première KVM un petit peu avant la sienne. Donc, vous allez pouvoir voir vraiment les trois KVM ou pas. De sûr, les gars, je vous le dis, on a réalisé 2 KVM, mais je vous dis pas si on a réalisé la troisième ou pas. Enfin, vous allez voir, vraiment, c'est un gameplay qui envoie du lourd, un gameplay nerveux en MME. Enfin, voilà, donc les deux, on était équipés de la K12, hein, vraiment. Donc, par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'arme, bah, c'était pas trop diversifié, hein, je pense. Et, les AK12, vous en voyez assez souvent, mais bon, voilà, on a pris vraiment les armes les plus simples. Faut savoir en plus qu'on n'a pas fait tellement de tentatives. Explique à peu près combien on a fait de tentatives. Ben, on avait tenté, en fait, un jour avant, on avait fait 5 tentatives et on a tenté, ben, c'était notre troisième tentative le jour-là. Voilà, ce jour-là, c'était vraiment notre troisième tentative, donc voilà, c'est pas, on va dire, on n'a pas tenté pendant 15 jours et puis au final, on a réussi. Donc ouais. Après, on a réessayé une ou deux parties, bah, vraiment de retenter encore une fois, bah, si on pouvait justement la refaire, au final, on n'a pas réussi, au final, ça nous a saoulé. Et puis donc, bah, ça reste un joli gameplay, donc encore une fois, je vous dis pas, vraiment, restez les gars jusqu'au bout pour la triple KM ou pas. En tout cas, voilà. Donc ensuite, bah, Dylan, présente un petit peu ta chaîne rapidement parce que j'ai dit. Ben moi, sur ma chaîne, les gars, je fais du Call of Duty. Call of Duty. Je fais du bah, des plus de 100 kills, etc. Enfin, pas encore sur Ghost parce que voilà, je joue pas de soutien. Je fais plus des gameplays solo. Ouais, tu donc, fais beaucoup de solo KM Express, c'est ça, toi. T'es spécialisé là-dedans. Ouais, KM Express. Puis aussi, est-ce que t'es spécialisé aussi dans les coups de bite un peu, non? Non, enfin voilà, vraiment il est spécialisé ouais, dans les KM Express, voilà, de la grosse performance. Parce que t'as réalisé je crois 21 gun strike en 45 secondes. Donc un truc de dingue, t'imagines un kill toutes les 2 secondes les gars. Un kill tous les 2 secondes. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça doit être un gameplay vraiment qu'envoie de la patate. Donc tu vas bientôt le proposer, c'est ça prochainement. Et puis un petit peu, qu'est-ce que tu fais d'autre? Je vais faire aussi du multigaming bientôt. Voilà, ok. De toute façon, il faut savoir que Dylan, les gars, il est dans ma team. Donc ça fait maintenant combien de temps que t'es rentré dans la X? 3-4 mois je crois, un truc dans le genre. Bref, voilà un truc comme ça. Mais bon bref les gars, on s'en bat les couilles. Donc si vous voulez vraiment voir une chaîne de merde, une chaîne justement où il n'y a que de la merde sur sa chaîne avec un commentary de merde et des gameplays de merde, les gars, c'est sur la chaîne de Dylan FB. Donc elle sera dans la description de la vidéo. Si vous voulez aller la voir, il n'y a pas de souci les gars. Donc avec Dylan, à la base on cherchait un petit sujet intéressant. On s'est dit, oh putain, qu'est-ce de quoi on pourrait parler à deux? On va essayer de chercher un petit sujet en rapport avec la vidéo, un petit sujet sérieux les gars, pour une fois au lieu de dire que de la merde, un petit sujet sérieux. Donc raconte un petit peu, enfin explique un petit peu Dylan, quel sujet on a choisi. On va parler de boost. Du boost, voilà, donc principalement boost Call of Duty, je pense que voilà, vous serez d'accord, après il y en aura peut-être sur d'autres jeux, j'en sais rien, mais bon voilà, étant donné qu'on est spécialisé quand même sur Call of, on va pas parler du boost sur les Sims, tu vois ce que je veux dire, genre top grade ton personnage à mort ou sur World of Warcraft ou je ne sais quoi les gars. Donc explique un petit peu bah pourquoi on a choisi ce sujet, un petit peu qu'est-ce qui se passe ou je ne sais quoi. Parce que on a remarqué que sur Call of Duty Ghost il y avait beaucoup quand même, enfin beaucoup. Non, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns quand même, il y en a toujours. Ouais. Qu'il y avait des gameplay boostés. Voilà, donc gameplay boosté, c'est-à-dire que dans le sens où faites bien attention que ce soit pas des parties privées, parce qu'il faut savoir que en partie privée, ils ont, on va dire Activision, enfin non, c'est pas Activision, c'est Infinity War, ils ont fait la connerie d'enlever tout simplement
le nom de clan 3 Arc. Faut savoir que sur Black Ops 2, une partie privée était très facilement remarquable, entre guillemets, ou enfin voilà, on pouvait facilement la repérer, tout simplement avec le nom de clan des bots, 3 Arc. Il faut savoir que là maintenant ils l'ont enlevé, donc après on peut quand même voir les pseudos. Déjà, tout simplement s'il n'y a pas d'accueil de début de partie. Donc étant donné que généralement les bots c'est en partie privée, donc forcément bah, l'accueil de partie privée, vous le voyez direct. Mais il peut faire un montage, au passage, j'ai réalisé ma KV, mais donc là, il y a la transition qui va arriver justement sur la vidéo de Dylan. Donc désolé pour la coupure. Vas-y, Dylan, continue, excuse. Je disais quoi ? Mais il peut faire un montage aussi, donc il faut faire attention, quoi. Ouais, voilà, il faut faire un montage. Moi, j'en ai vu quelques-unes. Moi, après, c'est assez rare. Donc vraiment, faites attention. Donc après, moi aussi, c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur. Tout simplement parce que, on va dire, durant ma carrière de YouTuber, si je puis dire ça comme ça, même si c'est un peu bidon, enfin voilà, vraiment, on va dire, depuis mon début sur YouTube, étant donné que j'ai toujours fait quand même des gameplay performance, bah, j'étais énormément sujet, bah, vous avez juste qu'à regarder justement les commentaires dans mes vidéos. Il y a toujours, on va dire, quelques haineux, même si depuis quelques temps, ça s'est calmé quand même. Étant donné que bah aussi j'ai quand même augmenté en abonnés, donc forcément on va dire je suis un petit peu plus connu, donc forcément les gens entre guillemets ils connaissent comment je joue, donc forcément après on va dire ils crient moins au boost, hein. C'est sûr que quand vous sortez assez régulièrement des bonnes parties, bah forcément on va dire on vous prend moins pour un booster, mais il faut savoir qu'au début de ma chaîne j'étais énormément critiqué quand par exemple j'avais fait la nucléaire à l'arbalète sur Black Ops 2, la nucléaire au couteau, enfin voilà, c'est pour ça que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et qu'on va dire j'étais pas mal de fois, on va dire jugé, justement pointé du doigt justement sur comme quoi mes gameplays seraient boostés ou je ne sais quoi. Donc Dylan, explique-toi si justement t'as déjà été victime entre guillemets, parce que bon, victime ça a pas un grand mot, mais voilà, on va dire que si des personnes dans les commentaires ils t'ont déjà insulté, ils ont dit ouais, lui Dylan FB c'est une chamelle des bois, il joue avec des sabots donc forcément il peut pas faire des KEM, c'est ce que je veux dire ou pas? Non non non, moi ça m'a pas encore arrivé, mais si y a un abonné qui me rejoint ou quoi, bah ouais, si tu lui pètes la gueule, genre tu vas chez lui, tu brûles sa maison, tu brûles son chien et tu violes sa famille, quoi. Je te pose pas sur ma chaîne, quoi, c'est tout. Ouais, voilà, enfin, ouais. La base, quoi. Donc, après aussi, il faut faire vraiment attention parce que c'est sûr qu'il y a certaines personnes, même très souvent, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, que je suis dans une partie et un abonné me reconnaît. Et donc, après, il y a deux cas. Il y a trois cas. Soit le mec va jouer fair play. Ouais. Là, après, le cas le plus fréquent, c'est-à-dire que le mec, il va jouer sa vie. Donc, il va jouer comme une pute. Non, mais si, sérieux, c'est ça. Hein. Il va jouer comme une pute. Je pense, Dylan, d'ailleurs, tu seras d'accord avec moi parce que tu as déjà fait partie avec moi où des abonnés nous reconnaissaient et ça jouait comme des putes. Et la troisième solution, c'est le mec va se laisser tuer. Donc, ça, c'est, on va dire, le plus rare. Mais ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé que des abonnés se laissent tuer. Je pense que même, peut-être avec toi, non ? Jamais quand j'étais avec toi, c'était arrivé ou ça. Non, pas... non. Bon, enfin, en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est sûr qu'il faut faire très attention à ça. Je pense que ça doit pas, on doit pas être le seul, ou on va dire les seuls. Donc, il faut savoir que toi, Dylan, ta chaîne, t'as 2800 abonnés aussi. C'est peut-être pour ça que t'as pas reçu trop de commentaires de haine. Ouais. Non. Mais moi, il faut savoir que même à l'époque, hein, quand j'avais 2800 abonnés, 2500, j'avais déjà reçu des commentaires comme ça. Je me souviens sur ma Mobu Kuto, notamment à l'époque. Forcément les mecs, quand vous sortez un gros gameplay les trois quarts du temps, quand par exemple vous sortez entre guillemets une grosse performance, forcément les mecs en face c'est des noobs, hein, je pense que tu seras d'accord avec moi, Dylan. Tu vas pas faire une KM au couteau contre Gotaga, voilà. Non mais enfin voilà, c'est, ça semble logique. Quand par exemple je pense à ma quad KM, il suffit juste les gars de regarder même les commentaires, même encore aujourd'hui, hein, sur certaines de mes vidéos, notamment par exemple sur la quad KM où j'ai reçu quand même quelques commentaires où les mecs ils disent ouais c'est du privé, alors qu'il suffit juste d'aller dans la description, je mets l'accueil de début de partie, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc là vous allez voir, c'est le moment important. Donc là il avait plus de balles, il court et malheureusement il meurt, donc à 17 d'affilée, c'est ça Dylan, à peu près 17-18. Ouais, donc la triple KM elle est fail. Donc c'est vraiment dommage, c'est pour ça qu'après, d'ailleurs on avait réessayé une ou deux fois, mais on s'est dit, bon, allez, le gameplay il est sympa et tout, on le garde. Mais il faut savoir en plus qu'il n'aurait pas pu la réaliser le gameplay, parce que regardez dans la barre des scores, enfin vous le verrez à la fin de la partie, il y avait quelques alliés qui avaient réalisé 5 kills, et donc forcément quand vous tapez la triple KM, il faut maximum réaliser, enfin vous devez réaliser 73 kills sans mourir, entre guillemets, enfin je pense que vous avez compris, et donc forcément si un allié fait 5 kills, vous pouvez plus la faire, en gros vous avez que 3 kills de marge d'erreur. Maximum, si en plus vous avez détermination, bien entendu. Bref, donc voilà, c'était Tonio, les gars, accompagné de Dylan FB pour un petit commentary de Chamel des Bois, les gars. Donc voilà, un petit mot pour la fin, mon petit Dylan. N'hésitez pas à liker la vidéo, les gars, partagez-la. Ouais, il faut savoir que là, voilà. Dylan, après, il va passer sur mon bureau, les gars. Non, les gars, je rigole. Bon, allez, bref, c'était Tonio, encore une fois, un gros bisou sur le téton gauche et sur le téton droit, et je vous dis à la prochaine, allez, peace.